Bonjour. Donc, moi, quand j'ai faim le midi, j'ai envie de quelque chose qui a du goût, mais qui est rapide. Quelque chose. Je vais déjà Oui, mettre le bon slide. Hein. appuyez sur la droite, oui. Voilà. OK. Et voilà. Donc, moi, j'ai envie de quelque chose qui a du goût, mais qui est rapide. Quelque chose qui est sain, mais qui va me nourrir. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Woké. Alors, à l'entrée du restaurant, on a un écran tactile où ben, je peux composer mon wok. Donc, je vais choisir aujourd'hui des légumes yang. Non, en fait, je vais plutôt prendre des yin. J'en prends beaucoup parce que j'ai très faim. Je prends du poulet, des nouilles, de la sauce du mois. Et voilà, mon wok est envoyé en cuisine. Il est diététique, c'est cool, comme d'habitude. J'attends 4 minutes et je reçois mon joli petit wok délicieux. Hop. Prêt à être consommé sur place ou à emporter. Pour moi, c'était nickel, j'étais fan et je suis d'ailleurs revenu assez souvent. Maintenant, c'est encore plus facile parce que ça fait 15 mois que je suis directeur de la société Woké et que je contribue donc à son développement. Alors moi, j'ai directement été frappé chez Woké par le côté unique de l'expérience client. Impliquer le client dans la création de son repas sain et rapide. Pour moi, il y avait là un actif de très grande valeur, dont témoignaient déjà trois éléments. Tout d'abord, il y avait l'interaction très très forte avec le client. C'est assez frappant chez Woké. Il y a vraiment de nombreux fans et c'est déjà énormément pour un seul restaurant. Le deuxième élément, c'était la facilité à traverser les frontières. Woké est tellement différent qu'il peut s'exporter. Ici, on voit le food truck Woké à Dallas, qui nous a permis déjà de valider le concept auprès du public américain. Alors, comment, pour avoir réussi ce bond à l'étranger, on avait besoin du troisième élément, qui est l'ensemble des process et procédures du concept. Alors, c'est pas très sexy, donc je ne le montre pas ici, mais c'est l'actif qui a en fait le plus de valeur. C'est vraiment le résultat cumulé de l'expérience acquise sur les 485 000 woks que Woké a déjà vendus. Alors, cette expérience, elle nous a également permis d'optimiser le point de vente pour arriver au Woké idéal. Alors, le développement peut maintenant commencer et nous allons transformer notre restaurant de Louvain-la-Neuve en une vitrine, en un véritable flagship du concept. Il faut savoir que cet investissement trouve déjà tout son sens dans la structure de coûts de Woké qui offre 65% de marge à toute augmentation des ventes. Alors, en parallèle, on va débuter la commercialisation du concept à l'étranger sur trois marchés prioritaires qui sont le nord de la France, Montréal et le Texas. Ça a déjà bien sûr commencé. Nous prévoyons, nous, en 2016, 6 points de vente et en 2019, 20 points de vente sur 5 marchés différents. Donc, si les 12 derniers mois nous ont permis de mettre le concept à maturité, de le rendre multipliable, il est maintenant l'heure de l'excitation du développement. Et bah, pour ça, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous bah, comme clients, bien sûr, mais aussi, surtout, comme contributeurs au concept et comme micro-actionnaires. C'est donc à vous de jouer. Merci Stéphane. Et pendant que vous parliez, eh bien, 2500 euros sont arrivés. Cette promesse d'investissement, c'est vous avez démarré aujourd'hui hein, sur la plateforme, donc Il y a une heure 500 et ce demie. matin, oui, absolument. Et maintenant 2550. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à OK? Oui, j'arrive chez vous, monsieur. S'il vous plaît. Bonjour, Marnix Denis. La croissance me paraît un peu lente. Est-ce que vous travaillez avec du franchise ou c'est vous êtes indépendant, comment est-ce que la formule va s'épanouir? L'objectif prioritaire est clairement l'expansion en franchise. Et elle peut paraître lente, mais je pense qu'elle est raisonnable et qu'elle est déjà en soi satisfaisante. Maintenant, si on arrive à faire mieux, évidemment, on ne va pas s'en priver. Pourquoi, Stéphane, pourquoi avoir attendu 6 ans avant d'interpeller les investisseurs Alors, c'est une bonne question. Et créer un concept de zéro, ce qui nous rend vraiment différents aujourd'hui, ben, cela prend énormément de temps. Il faut faire énormément d'essais, énormément d'erreurs, énormément de succès. Et j'avais la chance d'avoir dans mon conseil d'administration des gens avec énormément d'expérience dans la franchise, dans le retail, et qui ont vraiment freiné des deux pieds à dire,
on attend, on commence par faire toutes les erreurs, on est certain d'avoir la maturité nécessaire, et une fois qu'on est bien au point, on se multiplie. Voilà, c'est le cas aujourd'hui, et c'était donc la raison de ce timing. Une question sur Internet. Il y a d'ailleurs 1250 vues pour le moment en stream, en direct sur Internet. Donc il y a 1200 personnes qui sont derrière leur écran de PC et qui vous regardent aussi. On a vu le camion là. Est-ce que c'est aussi une possibilité de se développer? Le mobile est aussi un objectif? Alors pour la Belgique, comme vous avez vu, je parle des autres marchés. Il faut savoir que le marché belge est un des, on pourrait presque dire, pire marché au monde. Pour la Belgique, c'est clairement l'option de développement qu'on a choisie. Ok, super. Mesdames, messieurs, Stéphane de Brabander pour Woké. Applaudissements.